joyeux Halloween. Méchants ici, ce spa. Oh, c'est normal, Minnie. C'est Halloween. Ils vont sûrement se tenir tranquilles. Oh. Oh. Tous en boîte célèbre Halloween, sans méchanceté et sans surprise. Si c'était ma boîte, je sais ce qui me ferait plaisir. Une tempête maléfique. Une attaque de pirates. Et blablabla, et blablabla. Tous les ans, c'est la même chose. Pour causer, ils sont tous là. Mais il n'y a pas un seul vrai méchant dans le tas. Cette fois, je crois qu'on va te surprendre. J'ai une petite surprise pour notre hôte. Mais il te faudra attendre jusqu'à minuit. Ah. Toi, tu espères nous effrayer? Non, Donald, sur mon triomètre, tu n'as même pas la moyenne. Elle a raison, tu feras peur à personne avec ton costume de lapin rouge. De lapin? On va voir ce qu'on va voir. Ah, chouette, je vais lui faire peur. Sache que nous t'avons à l'œil, mon mignon. Oh non, je n'arrive pas à faire peur. Oh, c'est parti pour un Halloween en boîte. Sortez tous vos gousses d'ail et préparez-vous aux vampires. Voici votre ami, le comte Mickey. Bienvenue, mes enfants. Oh, oh, bon sang, j'adore Halloween. Des tas de revenants reviennent nous voir, comme Chernabog, le démon de Fantasia. Rendez-lui donc visite un de ces soirs. C'est la première à droite, au sommet du mont Chauve. Oh, je suis mort de rire et j'adore ça. Hey, j'ai même rencontré Hadès. Oh, il a été infernal toute la journée. D'enfer. Hey, je voulais aussi aller faire la fête au cimetière des éléphants. Mais je me suis trompée. Oh, je suis tombée sur un os. À présent, que la fête commence avec une histoire à vous glacer le sang. Hey, qu'est-ce que t'attends pour lui faire ta surprise d'Halloween? Patience, Iago. Minuit approche. Halloween, c'est la fête des chauves-souris. Il est minuit. J'ai une surprise pour Mickey. Désolé, Minnie, mais c'est nous les véritables méchants d'Halloween. Et maintenant, mes amis, il est grand temps de changer d'univers. Extinction des feux. Quoi? Tu ne croyais pas si bien dire. C'est Halloween, mon mignon, mais avec quelques aménagements. Ce club serait magnifique. Pas de fantômes mirifiques. Quelle horreur! Quelle galère! J'ai vraiment des amis de frère. Dans ce club maléfique règne une ambiance hypnotique. C'est une soirée historique. Pas douce en boîte pleure à sonner. C'est notre club. C'est notre club. Et on est pas prêts de mort. Fermez les fenêtres. Les méchantes, les reines ont tous les droits. Impressionnant. Oublie tous tes problèmes et confiance en moi. Tu étais le roi. Tu as fait la loi, mais cette fois t'es fait comme un rat. C'est notre club. C'est notre club. Il est génial. Y'a pas mieux pour faire la fête. Et maintenant que la boîte est notre club, les choses vont vraiment commencer à changer. Une minute, Jafar. J'en ai assez, tu entends? La plaisanterie a assez duré. Je suis venu avec mes amis. Dehors, du vent, débarrasse-moi le plancher ou on te fera sortir par la force. Non. Tu as
Non, Mickey, mais toi, Dingo, et votre ami le canard à l'orange, vous allez maintenant avoir une vraie frayeur. Comment on va s'en sortir? Laissez-moi faire, messieurs, je vais m'occuper de ce jacquard. Ça alors, je l'avais jamais vu autant en colère. Oh, moi si. Et bien sûr, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Une minute. Toi et tous les autres méchants, je vous laisse exactement 30 secondes pour nous rendre à la boîte. Je lance le compte à rebours. Et 30, et 29, et 28, et 27, et 26, et 25, et 24, et 23. À présent, on va mettre le feu avec une histoire fantastique où Mickey et Minnie poussent des maxi-cris. Important, c'est de passer un joyeux Halloween. Oh, j'adore ton déguisement, Donald. Mais Dingo y avait pensé avant toi.